Oh ah, putain, oui. Putain bon. Ça y est. Là l'animation a l'air bonne. Oh là là, par contre j'ai... Putain bon. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. On se casse, je prends les structures et on se casse. Attends, 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 smoke, smoke, smoke. Ouais, j'ai plus de vie, attends, j'ai tout qui est cassé et tout. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de ce soir. Donc on va être trois comme d'habitude. Moi, Arken, Anto, on va être les trois en fait pour aller se faire féconder par une Reaper Queen. Chose totalement affreuse. Je me suis jamais occupée de ça pour le moment. Du coup, la Reaper Queen, vous l'avez vu dans mes vidéos, en fait, c'est cette grande créature, en fait, un peu alien, en fait, qui existe. Et en fait, sur le biome, en fait, on a pu en voir, mais des Reaper King, qu'on a eu l'occasion de voir, en fait, à la surface ou encore dans certaines des cavités. Mais par contre, des Reaper Queen, ça, j'ai pas eu encore l'occasion d'en voir. Du coup, on a le Reaper King et la Reaper Queen. La Reaper Queen, c'est la seule, du coup, qui va pouvoir nous féconder. Là, vous êtes en train de vous dire, putain, c'est quoi ce bordel? C'est pas un œuf. Non, en fait, il va y avoir tout un système de tamis, on va vous expliquer, en fait, toute une tactique, en fait, pour se faire féconder par la Reaper Queen, en fait. Et c'est moi, dans l'histoire, en ce début de soirée, qui va être le cobaye et qui va me faire féconder par une Reaper Queen. Ça va être super. Là, vous voyez une cage qu'il y a en face. C'est qu'en fait, au bout de ces 2 heures, je vais rentrer, en fait, dans cette cage qui est juste ici. Et en fait, ici, on a tout préparé. On a préparé les phéromones, en fait. Puisque au moment en fait où l'alien va sortir, je l'appelle l'alien parce que vous allez voir, on dirait un alien. Je sais pas encore à quoi ça ressemble quand ça sort, mais déjà quand je vois la Reaper Queen, je me dis que enfant, c'est forcément un alien. En fait, quand l'alien va sortir en fait de notre ventre, en fait, il va falloir bouffer un phéromone pour que l'alien ne nous attaque pas tout de suite. En fait, c'est pour ça. Donc par contre, si vous entendez des bruits ambiants, parlez en fond. Ne vous inquiétez pas, c'est Anto, hein, puisqu'on est dans la même pièce. C'est juste ça. Donc en fait quand l'alien va sortir de mon ventre, il va falloir que je bouffe une phéromone pour en gros que ça soit un répulsif, pour pas qu'il m'attaque, parce que sinon il va me défoncer la gueule dès qu'il va sortir. C'est vraiment un mode alien totalement. Donc du coup on a tout préparé ici, je crois qu'on a préparé la viande aussi. Attends, on va regarder. Ouais, on a préparé la viande aussi, c'est bon. Donc là ça va être bon, et là normalement on a, voilà, on a les phéromones en fait qu'on va devoir utiliser. Et moi en fait apparemment je ne sais pas, mais apparemment il y a une animation qui va se faire ici dans cette, enfin dans cet endroit. Il y aurait une animation qui va se faire au moment où l'alien va sortir de mon ventre. Et du coup on va le voir sortir en fait. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette cage où moi je serai à l'intérieur quand l'alien va sortir, et du coup les copains seront à l'extérieur. Et du coup grâce à la transparence en fait ils pourront voir ce qui est en train de se passer. Comme ça, ça évite que tout le monde se fasse attaquer, que ça soit un gros bordel monumental. Ce serait par là? Par là, il est derrière nous. Ah, en dessous, il y en a une. D'ailleurs elle est en train de faire des trous dans le sol. Ouais, je vois. Alors par contre, est-ce que de là, je peux voir son level genre à travers ou pas du tout? Elle vient de sortir. 90. 90 encore? Ouais. C'est nul. On la défonce? Ouais, on la bute, hein. Bon bah c'est parti. Coucou! Aussi, hein. Ouais, je me fais le spino parce qu'il te fait chier. Ouais. C'est bon. Bah, faites gaffe, on va pas dans l'eau. Hein. Faites attention. Saloperie. Putain, mais quand je vois comment ça fait mal ce qu'elle te met là déjà. Le DNM risque d'attaque. Ouais, t'inquiète. C'est ma faute parce que mon machin il est plus lié. Bon, moi je vais pas attaquer de là, parce que je vais finir à la flotte. J'aimerais bien savoir, une 90, elle a combien d'HP de base? 47 000. C'est colossal. 40... Hein. Putain. Non, mais alors, c'est juste une 90. Genre, si on fait une 200, un truc comme ça, ça va être. Ouais, on va être vite calmé, je pense. 150, je pense, ça pourrait être déjà bien. Ça peut être pas mal. Sortez, acid burn, vous le prenez pas. Normalement, il y en a un de vous qui devrait avoir bouffé, du coup. Et dans son dino, il devrait y avoir des Reaper machin phéromones. Bah, c'est moi qui les ai eu. J'en ai 10 du coup. Un Drake qui mongolise, ça peut être que nous. Ok. C'est le bien par là qui est censé. Oups. Oh putain, il y en a Reaper. Une. Attends, je vais regarder si c'est combien. Salut. 190, on se la fait celle. Bon bah c'est bon, celle. Alors on se barre déjà. Alors déjà, je vais regarder le niveau de CPV, elle a combien? Il va falloir la descendre à peu près sous 1000 PV. Elle a 31 000. Ok, ça va donc aller vite. Vous voulez croquer, moi je surveille. Ouais, surveille c'est HP, on tape à deux et tu surveilles c'est HP.
Ah non, Reaper Queen, 51 000. Sachant qu'il lui faut la lumière hein, pour la... Pour oui, on l'a, on l'a, on l'a. Ok, elle a 49 000, 48 000, 47 000. Je surveille. Il tape, 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 tape. Je tape. 31 000. Oh putain, attends, attends, il y a des trucs bizarres, il se passe des trucs chelous. Ça fait genre 31 000 sur 35 000. 33 000. 32 000, 30 000. 28 000. 27 000. 26, 25, 24... 23, 22, 20 000, 19 000, 14 000, 13 000, 11 000, ça, ça va vous croquer de plus en plus fort, j'ai l'impression là, 10 000, attention, attention, 9 000, 8 000, 8 000, attention, doucement, doucement, 5 000, doucement, arrête 5 de taper, 000, stop, stop, stop. Arcane, arrête de taper. 5000, elle a 5000 là. Ok, je fais quoi? Je descends? Attends, elle a combien là? Il faut qu'elle soit à moins de 1000. Elle a combien? Elle est du coup à 4000. Vas-y. Arrête de taper, Arcane, je tape. 4003, 3005, 2004, 2007, 2007, 1009, stop. Non, elle a 1009. Ouais, 1009. Ouais, on continue. Attends, 1900 ou 1009? 1906. 1906. Ouais. 1098. Bon, 1098, ok. Ouais. C'est bon. Ouais, non, non, ça va être bon, là, faut voir, je regarde. Elle a combien? Oui, y'a y a, y a, ouais, y a le... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, viens, je reste avec la lumière, viens. Attends. Viens avec le bouclier. Putain, ça va être violent, c'est pour ma gueule. Prends le bouclier, équipe, enfin, fais clic droit avec le bouclier. C'est bon, je fais le clic droit. Et là, j'éteins ma lumière. Attention, éteins ta lumière aussi, Arcane. Poussez-vous, faut qu'elle me prenne moi. Vas-y, vas-y. Faut que j'essaye de m'éloigner de sa tête. Très bien, facile. Putain. T'es dans la flotte. C'est bon, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Oh putain. Ça y est. Ah, elle m'a relâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a relâché aussitôt, je crois. Je me suis fait attraper, elle m'a relâché aussi sec. Oh, c'est bon, hein. T'as pas le dot en bas à droite? T'as pas un timer en bas à droite? Non. T'as fait t'as touché à quelque chose? J'ai rien touché. Elle m'a attrapé, elle m'a relâché aussi sec. Normalement, t'as un dot en bas à droite en plus de la tenue hazmat. Elle est où? Elle est partie parce qu'elle est censée enfanter quelqu'un. Normalement, c'est bon. Je vois rien sur ton tour, hein, qui t'as rien. J'ai rien, elle m'a pas. Genre, elle m'a... j'ai même pas eu d'animation, ça a pas duré 10 000. 10 bah, 000, genre, elle m'a chopé 2 secondes, elle m'a relâché aussi sec comme si elle était tombée. C'est un bug, t'as pas le bébé. C'est un bug? C'est un bug, ça le fait de temps en temps. Putain, non, vous êtes sérieux? Non! Bah, go, recherche, allume ta lumière. Je ne suis plus enceinte! Allume ta lumière. Putain, hé, regardez vos tenues hazmat, la mienne elle va péter, j'équipe une nouvelle. Justement. Toi la tienne elle va péter parce que t'as pris ta... Ah ouais la mienne aussi, oh là là. Bah ouais de ouf. Ah c'est les pics hein, qui font ça hein. Équiper une nouvelle hein. Putain je l'ai vu m'attraper, j'ai vu la cinématique, elle m'a attrapé et tout putain. J'ai tourné la tête au même moment, j'ai vu ça, une espèce de main là avec la main ouverte. Oh c'était chaud. Oui Aïnou c'est vrai, alors attendez, on attend que la musique passe et je vais vous parler de cette histoire. Parce que je l'ai lu dans mes commentaires YouTube et je savais pas si c'était vrai ou pas. En fait, quand une Reaper Queen est à proximité, en fait, tous les plumes qu'il y a en fait sur le dessus de la tête de notre Rogue Drake, en fait, d'un seul coup se dressent. En fait. Ouais, ouais pour t'avertir qu'il y a une saloperie de. Le Drake, il a cette capacité là. Ouais. Ok. Ah, tu sais, il sert quand même, hein, pour faire attaquer, je sais pas. Regarde ça. Ah, non. J'avoue, trop chelou. T'as vu ? Il est en mode punk. Ah ouais, j'avoue. Donc si on suit les conseils des copains là, ça veut dire qu'il y en a une pas loin. Alors soit là ou en dessous. Je ne t'entends pas d'âge. Ah elle est là, elle est à côté de moi. Attends, barre-toi, je vais regarder les niveaux combien. Il disait bien qu'elle était là. Attends, je oh regarde. La jump. Pourquoi je vois elle pas à côté son de niveau Kiki. À côté de toi. Ah, je vois pas mais... Oh la connasse. Attends, ou elle a l'air de mettre des petits dégâts, si je peux me permettre. 120, 120. Ah, 120, et toi Anto? Non, bah je vais regarder. Je vais la faire sortir. 210. Oh, t'as un 210, bah, du putain. Coup, c'est ouais. Lui qui a la plus importante. Donc c'était où? Il était là où, Anto? Voilà. C'est là. Salut. Il l'a déjà enfermé.
Le mec il a déjà tout fait. Bon, faut m'aider à buter les Purlovia par contre, vite. Ça va être chiant. C'est bon. Ah, j'ai des rollback de fou. Vous avez une armée de seekers au cul, faites gaffe. Ouais. Pour les def avant. Elle est sortie, ouais, elle est sortie. Quoi? Tiens, elle est sortie, je te jure. Allez, sur mes fesses, hein. Attendez, faut qu'elle revienne, Attends, tu veux que je la passe à l'intérieur? Anto, tu crois que c'est bon? Elle passera pas, là, normalement c'est bon. Ah, elle passe plus, c'est bon, putain, je suis en train de crever. Putain. T'as plus de stuff? Non. Pourquoi? Normalement, ça recule, recule, Kiki. Putain, ça va pas, là. Remets ton stuff, hein. Attends, je ne peux plus, deux secondes, ça va pas, là. Vite, vite. Il me manque un truc, il doit me manquer un truc, c'est pas possible. C'est bon, c'est bon. Oh, je joue pas bien là. 12 000. Attention, 10 000. Ça va très vite là. 9 000, 8 000. 6 000. Stop, 5 000. Arrête, 4 000. 3 000. Putain. 3 000. 2 000. 2003. 1005. 1000. 1090, allez. Et elle serait jeune là. 600. C'est bon, j'éteins. Faut que tu viennes avec le bouclier. T'as des nemlés au cul? Quoi, j'ai des nemlés? Putain, va falloir me sauver. Il est facile. Croquis, hein. C'est bon. Allez, vas-y, viens. Des bisous. Faut que je recule un peu de sa tête pour qu'elle me plante. Fais gaffe, faut que je la cible. Saloperie, va. On cible. Allez, putain! Ah! Ça y est? Non! Ah! Pas du tout, pas du tout. Attends, je vais essayer de me décaler vers sa queue comme j'ai fait tout à l'heure. Ouais, par contre, te mets pas, t'as un caillou derrière toi, hein. Mets-toi plus sur la gauche, s'il te plaît. Là, je tourne là. Elle a 2000, elle a 2000. Elle a remonté sa vie, putain. Ouais. Ouais, parce que sans la lumière, elle serait gêne en fait. Ok, là, ça va être pour moi normalement. Vas-y, ma caille, allez! Allez! Allez, grosse bête! Putain! Elle vient de me péter le bouclier! Putain, Barry! Bah, change de bouclier, équipe dans un autre! J'équipe le normal là, du coup! J'ai repassé à plus de 1000. Putain! 1100. 1002. Allez, vas-y! C'est bon, la Laura! Allez, bébé! Allez! Ah, ouais, faut pas trop que je me mette à sa tête! Oh putain, elle m'a pété le bouclier. Quelqu'un d'autre bouclier vers moi. Ouais, viens, mais faut que je recule. Les gens disent, putain, il y a des nameless, faites attention. Les gens disent, les portes vont bugger le Reaper. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais j'espère pas, putain. Allez, putain. Oh putain, elle m'a cassé le bouclier. Un coup, elle me le détruit. Elle est complètement buggée, j'ai l'impression, là. Ah, ça y est, putain, ça va pas, elle m'a cassé les jambières et tout. Putain, c'est moi qui ai pété. Bouge. Oh, là, elle te touche. Elle me touche, là? Elle peut te toucher, là, ouais. Non, elle peut pas me toucher, là. Vite. Et c'est quoi d'autre qui me manque? Mes jambières. Attends, elle est quelle? À 934, je vais lui remettre un coup de fusil à pompe. Mais je suis middle en vie, est-ce que ça a passé ou pas? Oui, je pense. J'aurais dû prendre plus de popo, j'ai été con sur ce coup-là. J'y vais? Vas-y. Allez, vas-y, putain, allez, c'est la bonne. Allez, putain, allez! T'en as assez de boucliers, t'as pris le mien, le bleu? Oh, je l'ai sur moi, justement. Normalement, elle va te tout 3 shots, normalement. Allez, putain! Elle te voit pas? Là, ça y est, elle t'a vu. Non? Ça y est, je crois. Ouais. Non, elle s'attaque au mur là. T'as pas vu. J'aimerais bien aller vers sa queue en fait. Oui, mais faut pas aller vers sa queue, hein. C'est elle qui choisit. Hein. Bon, elle a rien à foutre, hein, la bestiole. Hein. Ça y est. C'est moi qui le voulais là. C'est toi qui t'es pris.
Oh ah, putain, oui. Putain bon. Ça y est. Là l'animation a l'air bonne. Putain. Oh là là, par contre j'ai... Putain bon. J'ai plus de vie, j'ai vu rien. On se casse, je prends les structures et on se casse. Attends, au plus attends, smoke. Ouais, j'ai plus de vie, attends, j'ai tout qui est cassé et tout. Ouais, alors là, faut qu'on se mâle le cul. Dans 23 minutes 40, j'accouche. Il y a tout le monde qui est en mode, ouais, GG, une pluie de GG, vite. Les copains, une pluie de GG. Eh, hey, j'entends mon cœur battre et tout, parce que je me suis tout brisé. Oh putain, j'ai cru qu'on allait pas y arriver. Faites le XP en tuant des dinos, t'as le temps. Oui, c'est ce qu'on va faire justement. En fait, oui, en bas de chez nous, on va tracer pour faire ça. Vous êtes retourné vers les voies là. Ouais, tu remontes en haut, il y a les gros sapins. Bon. Oh bah ça va aller déjà très vite, là elle a déjà pris 28 levels le bébé. Mon ouais. Bébé a pris 28 niveaux déjà. Bon, on a plus 42 niveaux là. Plus 48, ça on est bien. 13 quoi, 15 minutes là. 16 minutes ouais. Soit, putain, plus 75 levels il a pris d'un coup. J'ai mine de CPT ou... Je sais pas si t'as vu. Putain, mec. Je crois qu'on est au max, c'est bon. Ouais, on est au max, c'est bon. Je peux plus prendre de niveau. Plus 75, ouais, plus 75, c'est le max. C'est bien. On aura réussi à le level up au max. Grave, on va voir mon ventre, allez, viens. Allez, on va à la maison. Ça doit être dégueulasse. À la salle d'accouchement. Ah, mon dieu. Mec, ça va être plein de photos. Oh. Ah, oh, c'est dégueulasse, tu vois que je suis enceinte, regarde. Non, bouge pas. C'est dégueulasse, j'ai un truc dans le ventre. Attends, bouge pas, j'arrive. C'est tout petit pour le moment. Arrête, me mets pas un pain. Non, je me suis reculé. Il est con, l'hôtel, il est des... Ah, tu vois, regarde que ça va pas bien, là. Ah oui, ça se voit qu'il est en train de gonfler. En tout, bousille là, cette saloperie. Non. Le gros connard de merde. Tout bien, ah, mais regarde, non, mais attends, c'est hyper disproportionné. Cotor, viens vers moi là, vers la vie. Non mais attends, bah, viens, moi tu me touches pas qu'à bâton. Oui bah écoute, bon allez putain comme ça. Oh t'es dégueulasse mon dieu. C'est dégueulasse. Au-dessus du nombril, t'as une vieille pointe là, c'est gore. Ah bah quand mais c'est normal, ça va me péter, abruti. C'est dégueulasse. Abruti, non mais... Oh ça devient de pire en pire disproportionné là. Oh putain. C'est de pire en pire. Ah oui. Ah oui, t'as vraiment en plein milieu, tu sens que ça va percer. J'ai un gros cul et j'ai... Tiens, mets-toi ici, c'est plus simple pour nous. Il y a plus de lumière. Ah, mon ventre, ça a pété. Putain, je suis pas prête. Ah, la gueule du truc, c'est putain, dégueulasse. Putain, c'est immonde. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, crème. 2, 1. Ah, oh. Qu'est-ce qui se... Putain. Ah, ah. Vite, claim-le. Et tu lui donnes à bouffer. Ah, je vois sa petite tête. Vas-y. Ah, c'est bon. Oh, mon bébé. C'est dégueulasse. Mon bébé. Ah, par contre, putain, j'ai tout il m'a tout cassé, j'ai plus de PV et tout. Ah, oui, t'as bouffé ta vie, hein. Ouais, vas-y, remets ton armure, remets tout. Bah, parce qu'on a les phéromones. Normalement, je pense que sinon, parce que, on les a plus, malgré qu'on soit à travers le mur, il va péter un plomb. Il va tout défoncer. Oh. Alors, ah, regarde, compte que t'as ça dans le pire. Ah ouais, c'est ça. Eh, j'ai... Oh, non. Fais gaffe parce que s'il se casse... Non, j'ai juste enlevé la barre pour que nous on le voyait correctement. Ah, oh, cette cool. Gueule. Roi faucheur, qu'est-ce qui... Eh, Stai. Ah, ça y bouge. Ah, il est vraiment dégueu, ton gosse. Ah, c'est parce qu'Anto, il essaye de niquer Anto. C'est parce que... Ah, j'ai... le bruit, putain, qui fait... Attendez. J'ai fait exprès justement pour qu'il bouge. Oh, j'avais ce machin là dans le ventre. Oh la taille du truc. Ah, c'est GG Hitman pour le clip. Oui mais en fait je sais pas si je dois l'aimer ou pas. En fait c'est pas que je ne l'aime pas. C'est qu'il faut voir la créature qui m'est sortie du bide. Moi je comprends un petit peu finalement. Si vous voulez pour ceux qui ont vu Prometheus. Moi Docteur Cho je la comprends finalement dans le fond. Quand elle pète un câble et qu'elle décide d'aller dans ce grand œuf là. Qui t'opère et qui en deux secondes te met des agrafes. Et que t'es capable de repartir hyper bien. Parce que je peux vous dire que ma mère quand elle a eu une césarienne. Elle, deux secondes après elle est repartie hein. Ah ça y est il a arrêté de bouger donc il est à 10. Oh, oh, putain les boules. Oh, c'est rien. Ah oui, bébé. D'accord, il a rien, carrément bébé. Changé de forme. Ah mais j'étais en train de le fixer ce con d'un coup. Viens. Bon bah là il mange tout seul grâce au feeding touch. Donc t'as plus besoin de l'accompagner. Combat. Question, une fois qu'il est juvénile, on peut le sortir de la cage, il va pas nous bouffer, on est d'accord? Ouais, bah moi je me taille. Est-ce que vous...
Mais après, c'est peut-être parce qu'on est en accéléré. Hein. Normalement, ça doit peut-être se voir moins. Ah, mais là, tu vois qu'il grandit. Regardez, en fait, moi, je vais vous faire une timelapse, les copains. J'adore faire ce truc sur Arc. Donc, du coup, là, la phéromone, d'accord, moi, j'en aurais plus besoin. Quand elle va se tailler, c'est bon. Ouais. Ok, il a pas mangé même. Et en fait, il est en train de manger. Du coup, alors on va lui changer sa région, sa petite couleur. Oh, oh putain, c'est quoi ça? Oh, Nyctaras, c'est quoi? C'est Carou, c'est Carou. Carou, comment tu vas? Putain, il y a maman à côté. Donc voilà pour les voilà. Donc Carou, pour ceux qui connaissent, qui savent pas, mais il va voir maman lui du coup. Pour ceux qui savent pas qui est Carou, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui est sur le serveur avec nous, avec SK, avec d'autres joueurs. Et du coup, eux, ils ont la Queen, ils en ont tamé à plusieurs reprises. Enfin, et du coup, ils ont des Reapers, pardon. Et du coup, là, vu que lui, je pense, il est en train de regarder le stream, il s'est dit, tiens, si je vais aller leur casser les couilles pour montrer à quoi, voilà, maintenant, il y a le bébé. En fait, pour tout expliquer, je vais te faire un Alt+F10 et tu verras. Je me baladais dans l'enclos parce que je savais pas quoi faire, puis en allant là-bas, il y avait juste sa petite tête qui dépassait à gauche de la porte. Trop bien. Et là, je lui ai envoyé un message en me disant, vas-y, saute dans l'enclos, ça va être drôle. Oh! Donc, il y en a certains qui disaient qu'ils avaient eu peur. C'est pas beau comme ça. Oh si, il est badass! On dirait une vieille merguez qui a cramé sur le bord de Pas noir pur, mais un peu moins, mais il est badass, moi, je trouve. On dirait moi quand c'est je fais un barbecue. Qui est trop flashy. Voilà, comme ça, voilà. Là, c'est plus gris Goliath, voilà. Il est bien pas comme chef, ça, là. Ouais, comme ça, nickel. Il est beau, comme ça, là, moi j'aime bien. Là, on est banco, là. Ça fait moins merguez, déjà. Ça fait moins, hein. Tu te rends compte que j'avais ça dans le ventre, quand même? J'avais ça dans le ventre, les amis, hein. Moi, je dis ça, je dis oui, rien. Bon, pas à cet état-là, mais oui. Oh, c'est une totote. Oh, on veut se faire galiner des... Encore, un câlin. Voilà, il est à 100%. Yeah. Bon, bah, on va le laisser comme ça, du coup. On va le laisser finir de grandir.